Il y a les nouveautés Lego qui sont arrivées. Cette course, mes aïeux, jugez la prestance et la qualité et peut-être la badassitude de cette course sur chaise à roulette. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler Lego Star Wars. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, ça fait plaisir. Je suis toujours en train de parler avec mes mains, toujours en maître de Kung Fu. Bref, vous avez compris, aujourd'hui, c'est nouveauté 2020. C'est nouveauté grâce à Hotbricks, grâce à William, grâce à tous ses talents d'espionnage, de journalisme. Le mec va chercher des infos partout, même là où il n'y en a pas. Ça fait toujours extrêmement plaisir et aujourd'hui, on va s'attaquer aux nouveautés Star Wars de 2020. Elles me hype pour certaines d'entre elles, pour d'autres, c'est moins ça, mais dans l'ensemble, ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt cool. Donc on y va, je vous passerai les images que j'ai trouvées sur le site de Hotbricks. Toutes les images ne m'appartiennent pas, bien évidemment. Et puis nous, on se fera nos propres images quand j'achèterai les sets et qu'on en fera des reviews. Parce que je vais faire certaines reviews de cette gamme sur la chaîne, voire peut-être même toutes, ça dépendra si j'ai un max de thunes à revendre. Puisque je vous l'annonce tout de suite, le prix global de cette gamme sera de 330€. Voilà, c'était la fin de la vidéo, j'espère que vous avez plus d'argent. On se retrouve la prochaine fois quand on aura des gammes beaucoup moins chères. On commence donc aujourd'hui avec le set 75263. J'ai regroupé les sets par Star Wars 9 et par Star Wars classique, comme William l'a fait sur son site. Vraiment, je prends tout parce que c'est plus simple. Le set 75263, le Résistance Y-Wing Starfighter, Microfighter, vous avez compris, hein, bien évidemment. 86 pièces, 9,99€. Un Microfighter, je ne suis absolument pas fan de cette gamme, tout simplement parce que pour moi, c'est très bien, hein, les Microfighters, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. C'est un petit set qui va être sympa pour les enfants. Dans la même veine, il y a le 75264, le Kylo Ren's Shuttle Microfighter, qui va faire 72 pièces pour 9,99€. Là, encore une fois, un Microfighter. Moi, je ne suis pas fan des Microfighters, je n'en ai pratiquement pas. Je crois que j'en ai un dans cette armoire qui est juste ici. Mais voilà, c'est tout. Je ne les collectionne pas. Donc voilà, pour ceux qui les collectionnent, 75263 et 64, Kylo Ren's Microfighter et Résistance Y-Wing Microfighter, ça sera pour vous. Le 75266, le premier Battle Pack qui m'intéresse depuis un petit moment avec cette voix de journaliste, le Sith Trooper Battle Pack. Je prends des accents anglais, c'est n'importe quoi. Pour 105 pièces, un prix de 14,99€ avec 3 soldats Sith et un petit commandant, un petit véhicule. Bref, la panoplie du Battle Pack que l'on aime. Évidemment, les Battle Packs, c'est toujours très bien quand vous faites de la collection de minifigurines, quand vous voulez vous constituer des armées, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est extrêmement cool qu'on en ait. 14,99€, c'est le prix original. 105 pièces, c'est plutôt cool pour ce prix-là. Donc franchement, je ne vais pas cracher dessus, surtout que les figurines sont assez sympathiques. Le véhicule est, ma foi, assez cool. Typiquement, le genre de petit set que je recherche. On le reverra sur la chaîne, ça, c'est sûr. 75272, le Sith T-Fighter, un set à 65€, 60... non, 70€ même, pardon. 69,99€, 470 pièces. Et là, ce set, en termes de design hilarose. Mon dieu, je suis fan de ces ailes en triangle rouge, noir, gris. Franchement, ce set, en termes de design, il est très beau. C'est juste pour ça que je vais l'acheter, parce que je trouve le vaisseau magnifique. On a des personnages qui ont l'air aussi vachement stylés. Il y en a un, il a la même épée que les orques qui ont la marque blanche de Saruman. On a un mix Seigneur des Anneaux, Star Wars, qui fait plaisir. Donc voilà, le set 75272, 3 figurines, dont Finn. Franchement, un beau vaisseau qui trouvera sa place dans l'armoire. Et ça, ça fait toujours plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vaisseau, en plus, impériaux, méchants, bad guy. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et le dernier set de la collection Star Wars 9, ça va être le Poe Dameron's X-Wing. Encore un X-Wing, et toujours des X-Wing, parce qu'on en a pas marre d'avoir des X-Wing partout, droite à gauche. 761 pièces pour 99,99€, donc 100 balles pour un X-Wing que l'on a déjà 4 fois. Par contre, je reconnais que celui-là est plutôt stylé, il y a des couleurs, il y a des trucs, il y a des machins. Donc, à voir lorsqu'il sortira en promotion. Celui-là, je vous conseille plutôt de l'acheter en promo. Petit conseil d'amis, 75273. J'espère qu'il sera touchable aux alentours de 80€, 75€, ça sera déjà pas mal. Un petit 25%, voilà, ça sera à peu près le prix raisonnable, je pense, pour ce set. On a des petites figurines aussi, le Poe Dameron a l'air d'être plutôt exclusif à ce set. Donc pourquoi pas l'avoir, mais lorsqu'il sera réduit. La partie Star Wars 9 coûte 204,95€ si vous voulez l'acheter en complète. C'est assez cher, mais bon, ça va, je veux dire, on est sur du Star Wars, donc les prix sont toujours un petit peu élevés. En termes de Star Wars classique, on commence avec le 75265, le T-16 Skyhopper versus Banta en Microfighter, donc un troisième Microfighter. Encore une fois, je ne suis pas forcément très intéressé par ces trucs-là. 198 pièces, 19,99€.
c'est les doubles microfighters. Donc là encore, bah, ça va être sympa pour les enfants qui aiment les microfighters. On a déjà vu un T16K Hooper en version complète, enfin, on va dire en version haute. On enchaîne avec le 75268, le Snow Speeder Microfighter. Encore un Snow Speeder et toujours un Snow Speeder. Voilà, avec notre X-Wing, on a un Snow Speeder. Ça fait toujours plaisir. 91 pièces, 19,99€. C'est du 4 et plus, donc c'est la gamme enfant de Star Wars. Là encore, pas grand chose à dire. On a un Snow Trooper sur sa moto jet. On a un pilote dans son Snow Speeder. Donc voilà, vraiment pas grand chose de nouveau. 75 269, le duel sur Mustafar qui oppose, comme d'habitude, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Là aussi, il fait plaisir ce petit set parce qu'il va coûter 24,99€ pour 208 pièces. Ça va nous permettre de toucher des figurines qui sont de la prélogie. Et ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Franchement, il a l'air bien. Petit bémol, c'est un set en scénette. Je suis pas trop fan de ce truc là. Mais voilà, dans l'ensemble, il a l'air cool. On verra quand il sera monté, on verra ce qu'il donne. Je l'achèterai bien évidemment avec grand plaisir, puisque c'est une scène qui est juste ouf dans tous les Star Wars. On ne va pas se mentir. 75 270, la Obi-Wan Hutt. Donc là, on est sur du Tatooine, on est sur de l'épisode 4, on est sur le premier Star Wars de toute la galaxie. 29,99€, 200 pièces. Moi, je dis oui. On a du Luke Skywalker, on a du Obi-Wan, on a du R2-D2, des figurines qu'on a eu et re-eu et qu'on a re-encore. Voilà, on a la petite hutte d'Obi-Wan, ça fait plaisir. Ça va nous permettre de faire des petits mocks sur Tatooine. Ça va nous permettre de faire des petites choses sur l'univers d'Obi-Wan, etc. Donc pourquoi pas pouvoir moquer avec ça. Il me fait un petit peu penser au Acto Island Training. Donc voilà. Et puis il pourra se marier avec votre Cantina si vous l'avez acheté, ce set, la Cantina. Et enfin, on arrive au dernier set de cette collection de 2020, le 75 271, le Luke Skywalker Landspeeder. Encore un Landspeeder, toujours un Landspeeder. Ça fait vraiment beaucoup de rééditions pour cette gamme de 2020. Je vais arrêter avec cet accent, ce qui est juste horrible au final. 236 pièces, 29,99€. Et là, encore une fois, on est sur du Tatooine, on est sur l'épisode 4, ça fait toujours zizir. Un Landspeeder, on en a, on en veut, on en a. Il est différent de l'ancien, sûrement différent du prochain. C'est toujours comme ça que ça fonctionne avec les Landspeeder. Les moteurs sont plutôt cool pour celui-là, je suis plutôt fan des moteurs. On touche un C3PO, on touche un Luke Skywalker avec une petite tunique, et on touche aussi un Jawa. Donc voilà, pour notre armée de Jawa. Si jamais vous voulez vous faire une armée de Jawa, c'est possible. Ça va donc de pair bien évidemment avec le Obi-Wan's Hut pour pouvoir vous faire une sorte de diorama Tatooine épisode 4, chose comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce qui va sortir en classique. Le prix global, ça sera 124,95€, et le prix global des nouveautés Star Wars 2020 sera donc de 330€. C'est le prix moyen d'une nouvelle gamme Star Wars. Voilà, c'est franchement correct, je trouve. Il y a des sets qui sont bien, j'aime beaucoup les petits sets à 29€, 30€, les trucs comme ça, et le Sith TIE Fighter, donc le à 70€. Un peu moins fan du X-Wing à voir donc quand il sera en promo, et comme je suis pas très microfighter, le reste ne m'intéressera pas beaucoup, mais on va bien évidemment revoir tout ça sur la chaîne. Pour ça, je vous invite à mettre la cloche de notification, ça sortira pas maintenant, attendez quand même qu'on soit en 2020 pour que ça sorte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous la fais un petit peu comme ça, en volée. Je voulais vous en parler rapidement, ça me faisait plaisir d'aborder ce petit sujet Star Wars avec vous, et puis voilà, et puis surtout, bah, malheureusement je suis un petit peu pressé et je voulais la faire quand même avant de partir. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter ou ce qui vous tente en termes d'achat, et puis je serais ravi de vous lire et de voir un petit peu quels sont les sets qui pourraient vous plaire. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite, allez c'est parti, je vous mets un petit sondage, vous me dites quel set est le meilleur pour vous, et puis on verra un petit peu l'avis des gens. Je vous invite aussi à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. On va reparler Star Wars très prochainement sur la chaîne. On va parler aussi de petits sujets Lego à côté, voilà, comme on a pu le faire auparavant. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, bye bye.